Seigneur, que tu me donnes les paroles appropriées, que tu me montres les images exactes qu'il faut. Père très saint, je te confie chaque personne qui est en train d'écouter ce message. Papa, nous sommes toujours fortes. Et vraiment, le Seigneur m'a montré récemment, parce que à l'instant, pendant qu'on faisait la prière, il y a l'une d'entre vous qui est en train de m'écrire. C'est une femme qui a été très forte. Elle est quittée d'un mariage abusif. Et c'est une personne qui se bat tous les jours. Et parfois, quand on se bat, on se bat contre tout le monde, on va dire comme ça. On a des batailles extérieures et intérieures. Et on oublie même que on est un être humain. On oublie qu'on est un être humain. Et je veux vraiment que dans ce premier jour de jeûne, que vous puissiez vous pardonner vos failles. Si tu as craqué, ma chérie, assois-toi, pleure s'il le faut. Et quand tu pleures, ne laisse pas quelqu'un te dire pourquoi tu pleures. Si tu as déconné, tu as commencé à casser les choses à la maison, tu étais fatigué. Parce que c'est ces énergies qu'on n'évacue pas qui explosent en nous après. Et nous, en tant qu'Africains, on ne prend pas, on n'a pas ça dans notre culture, on n'a pas ça en nous. Si vous demandez, quelle est la dernière fois que tu es parti t'amuser quelque part? Quelle est la dernière fois que tu t'es fait plaisir? Tu vas chercher, tu vas dire, peut-être ça va dater même de 5 ans. Parce qu'on passe le temps à donner aux gens. On écoute les gens, on les conseille. On réfléchit, on voit comment on va aider telle personne. On voit comment on va résoudre le problème de telle personne. On voit comment on va. Et personne, on s'occupe des gens, mais personne ne s'occupe de nous. Personne ne s'occupe de nous. Et ça, c'est une arme ou bien une porte que l'ennemi va utiliser pour entrer. Parce que les gens ont toujours cette impression de toi. Tu es une femme forte, tu es indépendante. Tu as l'argent. Tu ne manques de rien. Quand les gens viennent à toi, personne ne vient jamais avec quelque chose pour te donner. Même le biscuit de 25, on ne va pas te dire, « Oh maman, pardon, prends le biscuit si je t'ai gardé. » Non, non, non. Et souvent, même quand tu veux même te plaindre, on te dit que ah, toi là, tu es déjà forte, non? N'est-ce pas, c'est toi la reine telle. Mais parfois, on oublie que en dessous de cette carapace, en dessous de cette femme forte, de cette femme qui a porté 5 enfants, tu as accouché les 5 enfants, tu t'occupes des 5 enfants. Tu es là, tu es dur. Quand on te fait quelque chose, le lendemain, tu es debout. Le lendemain, tu es debout. Seigneur, je demande qu'avec ce jeûne, que tu enlèves toutes les séquelles psychologiques, les séquelles spirituelles. Et certains d'entre vous-même, vous avez pris ça de vos mères. Il y en a, on a grandi, on a vu nos mères traumatisées dans des relations. Tu as grandi en voyant ta mère souffrir toujours. Elle souffrait peut-être dans la relation avec ton père, ou bien elle souffrait avec les hommes avec lesquels elle était, jusqu'à ce qu'elle meure. Tu n'avais pas vu encore, tu n'as pas vu un jour ta mère s'asseoir et même craquer, même non. Et c'est comme ça qu'un jour, un cancer a pris comme ça, en un mois, elle était partie, je ne sais pas, quelque chose. Seigneur, je demande qu'au ce jour, tu nous déshabilles, nous, strip or strip, ça veut dire. Déshabille vraiment, enlève tout vêtement maléfique qui nous endommage, qui fait que nous-mêmes encore, on se retourne contre nous-mêmes après, qui fait qu'on met une barrière autour de nous. Montre-nous comment avoir une énergie féminine, Seigneur. Je demande que la Vierge Marie viennent nous montrer comment être des mamans, comment être des mères de famille, comment être douce avec nous d'abord.
Par-dessus tout, j'enlève la frustration. Par-dessus tout, j'enlève... Parce que tu as une idée tellement parfaite de ce que tu es censé faire. Si bien que quand tu échoues, tu es la première personne à te critiquer. Que le Seigneur vienne apaiser vos pensées par rapport à vous-même. Que le Seigneur guérisse. Que ton dialogue avec toi-même ne soit plus toujours méchant. Que tu ne sois pas toujours dur avec toi. Quand on te dit waouh, tu dis ah, ça c'est même quoi, je n'ai même rien fait. Je viens enlever toute douleur passée. Je vois quelques-unes parmi vous, on vous a fait beaucoup de mal. On a abusé de vous quand vous étiez petite. Il y en a même qu'on vous a abusé de vous, vous avez oublié. Hein? Tu as oublié qu'on a abusé de toi. Je vous assure, c'est très profond ça. On a abusé de toi sexuellement, physiquement. Tu as oublié. Et là, ça ressort dans tes façons d'agir. Tu ne sais pas pourquoi, mais dès que tu as une certaine violence parfois que tu as, verbale ou physique, je viens effacer les séquelles de ces violences, de ces abus. J'efface cela au nom puissant de Jésus. Je déclare sur vous la grâce. La grâce pour pardonner à vos persécuteurs, pour pardonner à vous-même. Parce que parfois tu t'en veux de n'avoir pas tenu tête à la personne. Parfois tu t'en veux d'avoir accepté qu'on te fasse ceci ou cela. Je viens aussi nettoyer les séquelles, celles qui ont eu à faire des avortements. Le truc, un truc avec l'avortement, c'est que certaines personnes, ça a été fait tellement en privé que tu n'as jamais dit à personne. Mais c'est quelque chose que chaque jour, tu y penses. Et ça te... Ça t'abîme. Quand ce premier jour de jeûne, toutes les attaches, parce que ce sont des accroches que l'ennemi a sur vous. Et il te tient avec ça. Parfois tu t'agenouilles, tu veux prier, il commence à dire que ah, tu as demandé à Dieu de te pardonner 1000 fois par rapport à ça. Et tu sais quand même que tu avais tué un enfant, non? J'enlève la culpabilité de votre cœur. J'enlève la honte. Quand tu te regardes dans le miroir, que tu aimes la personne que tu vois. Que tu n'envies plus d'autres personnes. Que tu ne te critiques plus à longueur de journée. Je viens guérir toutes blessures dans ton cœur. Les déceptions amoureuses que tu as connues. Je viens guérir. Celles qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Je te libère de toute insomnie. Je déclare que toute attaque, toute flèche, toute fatigue que l'ennemi met sur toi, qui fait que tu n'es pas en forme. Tu es fatigué, mais tu ne dors pas. Je vous libère des doutes. Je vous libère des doutes. Papa Yahweh, que quand ce premier jour, tu penses nos blessures, que tu mettes le baume, la compresse, la bande collante sur les blessures qu'il y avait dans notre cœur, les blessures que nous-mêmes, on ne connaissait pas qu'il y avait. Père très saint, s'il faut pleurer, qu'on pleure, après on se lève, on sèche nos larmes.
Père, donne la force à tes enfants ici présents. La force de comprendre qu'on a besoin de toi à tout moment. Permets-nous de parler, Seigneur. Permets-nous de te présenter nos problèmes. Que, Seigneur, je n'arrive pas. Il y a quelque chose en moi qui fait que je garde moi-même mes relations. Il y a quelque chose en moi qui fait que moi-même, je ne suis que mes enfants. Il y a quelque chose en moi qui fait que... Donne-nous cette ouverture de cœur, d'humilité, Seigneur. J'enlève la peur, peur de l'abandon. Tu as tellement été déçu que tu as peur qu'on te déçoive encore. Et cette peur fait que tu gâtes toi-même en avance des choses. Je viens vous délivrer de toute étreinte que l'ennemi a sur vous. Toute accroche qu'il a sur toi. Tout ce par quoi il te tient. Je viens t'en délivrer. Je déclare que s'il y a quelqu'un qui a été témoin d'un comportement déplacé que tu as eu, que cette personne ne retienne pas ça contre toi. Que toi-même, tu ne retiennes pas ça contre toi. Parce que parfois, tu peux être dans des phases et tu es en présence de certaines personnes, les personnes te voient. Après, l'ennemi commence à jouer dans ta tête. Que comme la personne a ta vue, c'est fini. Alors que peut-être la personne a fait même pupille en cachette. Il est clair que vous n'allez plus avorter vos bénédictions. Vous n'allez plus stopper vos bénédictions en route parce que vous êtes pressé peut-être de vous cacher. Éternel, mets en nous l'honnêteté, la sincérité. Qu'on soit honnête avec toi, Seigneur. Je chasse les maux de tête, les accusations, que vous puissiez prendre votre part de responsabilité. Que le Seigneur vous donne le discernement, que vous voyez vous-même. Que voici ma part, voilà pour l'autre. Et quand vous revenez de cet endroit où vous allez déposer tout ça au pied du Seigneur, que vous ressortiez de là plus forte qu'avant. Tout blocage émotionnel qui bloquait votre argent, je l'en libère, je vous délivre de ce blocage au nom de Jésus. Tout blocage qui bloquait votre argent, les émotions qui faisaient que tu parles avec tes clients, après tu chasses encore tes clients toi-même. Je vous libère de cela. Je vous donne du repos, que cet après-midi soit paisible pour vous. Que les anges versent de l'eau sur toute braise, sur tout charbon qu'il y avait dans votre cœur. Que le Seigneur vous apaise. Et celles qui ont besoin de vengeance, tu ressens tellement de haine vis-à-vis du père de ton enfant, père de tes enfants, que toute personne qui vous a fait du mal, et que ce mal-là, c'est comme ça te tient. Je vois une personne que la haine-là te tient, donc tu ne peux pas, quand elle parle même à la naissance, tu dis que, que même si je voulais, je ne pourrais pas. Je dépose la grâce sur vous pour pardonner. Seigneur, nous devons déposer à toi. Répétez après moi, Seigneur, je dépose le fardeau de la haine. Je dépose le fardeau de la haine à tes pieds. Je dépose le fardeau de la haine à tes pieds. Et je prends l'amour. Il y a les phases. Quand on parle de fardeau, ça ne veut pas dire que tu vas partir embrasser la personne. Mais c'est juste qu'en restant comme ça de ton côté, tu n'as plus de pensées négatives par rapport à la personne. Quand on parle de lui, tu ne dis rien de mauvais, rien de bon. Donc bêta, tu t'arrêtes même là. Si c'est que tu ne peux pas le bénir, ne parle pas. Ne fais rien. Je dépose le fardeau de la haine, ça va. Je vous libère. Je vois beaucoup de personnes que tu as avancé, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais le diable te tient encore avec ça. Je vois ça comme une forteresse. Parfois, tu restes avec ta relation, dans ta relation précédente, tu te rappelles de ce qu'on t'a fait en 1997. Ça te fait encore mal.
Tout abandon que vous avez subi. Peut-être vous êtes fâché avec vos parents. Ils vous ont abandonné, ils sont partis. Je vous libère des conséquences de ces abandons. Seigneur, je dépose le fardeau de la haine à tes pieds. L'amertume à tes pieds. Je viens arracher toute fondation maléfique dans ma vie. Tout autel maléfique qui parlait contre ma vie. Tout contrôle que l'ennemi avait sur moi à travers cette haine. Seigneur, je dépose à tes pieds. Jérémie chapitre 1, verset 10. Vois aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour renverser, pour exterminer et pour démolir. Je viens démolir tout arbre maléfique qu'il y avait dans ton cœur. Toute semence maléfique que quelqu'un était venu mettre dans ton cœur. Si la haine était familiale, que dans ta famille, les gens vivent seulement sur la haine, l'amertume. J'arrache ça de ton cœur aujourd'hui. Il est qu'à partir d'aujourd'hui, ta bouche là ne va plus détester quelqu'un. J'arrache et je renverse tout arbre maléfique qui a été planté par dans ton cœur, par tes parents, par les environnements où tu as grandi. Je viens exterminer et démolir tout ce que l'ennemi a mis dans votre vie, qui est comme une muraille. Je déclare que cette muraille, je lui commande maintenant de se bouger et de se lancer dans la mer. Et comme ça bouge comme ça, ce n'est que la paix, c'est la joie. Toute personne qui a abusé de toi, qui t'a escroqué, qui a pris ton argent, qui ne t'a pas remboursé. Imaginez les personnes dans votre esprit. Nous les libérons, nous les bénissons. Si la personne était responsable de ton renvoi, je te bénis et je te libère. Je te libère, je te laisse partir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier à nouveau. On fait la prière pour accepter Jésus à nouveau. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je demande pardon pour mes péchés. Je ne peux pas avancer sans toi, Seigneur. Je ne peux rien sans ton aide. Viens dans mon cœur, Seigneur. Fortifie-moi. Guide-moi. Je refuse d'avoir peur, Seigneur. Je refuse de douter, Seigneur. Je reçois cette force pour tenir devant les situations. Que ton amour me guide, Seigneur. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je dépose tous mes péchés à tes pieds et je reçois ma restauration. Je suis une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Je viens enlever toute étreinte que l'ennemi avait sur votre cœur. Tout endroit où votre cœur était piégé. Toutes vos bénédictions qui étaient piégées à cause de cette amertume. Comme vous venez de vous reconsacrer à Jésus. J'enlève. Je vais faire le nettoyage dans votre esprit, dans votre énergie. Je nettoie votre énergie. Je nettoie votre énergie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous attirez le bien. Toute personne qui était à côté de vous pour vous faire du mal, je mets la faveur sur vous. La faveur.
l'humilité, un cœur qui est soumis au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà. Je viens maintenant bâtir et je plante. Selon toujours Jérémie chapitre 1 verset 10. Je bâtis le renouveau, la stabilité, la paix, la grâce, l'amour. L'amour de soi, que tu t'aimes toi-même. Tu restes ça, tu es ton fan numéro 1. Je viens combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Le besoin que tu as toujours d'être toujours avec les gens, d'être toujours avec un homme, d'être toujours avec quelqu'un. Que tu te suffises, que tu apprécies ta présence. Je bâtis ta faveur. Je reconstruis ta faveur. Que toute faveur que tu avais perdue avec qui que ce soit ton mari même ou qu'il n'y a plus la faveur avec lui, que cette faveur revienne maintenant, à l'instant, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui avait promis de te faire du bien, de te donner quelque chose, de t'amener, je ne sais pas. Je restaure cette faveur à l'instant au nom puissant de Jésus. Je renouvelle vos pensées avec la parole. Que vous ne croyez pas des choses qui sont fausses. Que vous ne croyez pas des choses qui sont fausses. Amen. Amen et amen. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit. Tu ne vas pas couler, tu as compris. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Que tout ce qui est en train de mourir dans ta vie se relève. Que tout ce que l'ennemi est en train de te voler pendant cette nuit-là revienne. Je parle aux eaux de ta vie qui étaient en train de se dessécher, de mourir. Je commande à ces eaux d'écouter la parole de Dieu et de reprendre la vie. De reprendre la vie. Tout ce qui était dans ta vie qui était en train de mourir, qui sombrait. Ton visa qu'on a refusé, je le remets encore. Tu vas faire appel, tu vas avoir ce visa. Je prophétise sur vos ossements. Ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ézéchiel chapitre 37. Ainsi parle le Seigneur Yahweh à ses ossements. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et je ferai pousser sur vous la chair. Je tendrai sur vous la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. Je remets dans votre vie tout ce qui a été volé. Toute situation, tout business, toute chose que tu avais commencé, c'est en train de mourir. Tu partais à fermer la porte aujourd'hui. Tu partais à mettre la clé sur le cadenas. Tout hasard que tu es enfermé dans le tombeau depuis un an. Tout Lazare qui est dans le tombeau depuis un an, je parle à ce Lazare de sortir de là. Au nom de Jésus-Christ, que votre foi renaisse. Que votre foi renaisse. Que votre foi revienne. Que votre force revienne. Je viens bénir le Seigneur pour votre vie. Je déclare que ce qui vient de renaître ne va plus jamais être attaqué. Je viens sceller cela par le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus autour. Je déclare que l'ennemi, il est invisible pour l'ennemi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Voilà. Bon, la prochaine prière, c'est à 18h. Et après, il y aura minuit. Ça, c'est le premier jour du jeûne. Donc, bye bye.